Bonjour à tous, on est lundi 26 février, c'est le premier vrai jour de vacances pour les enfants et Johan. Moi j'étais la seule à me lever ce matin, je me suis levée un petit peu plus tard que d'habitude, en même temps il n'y avait pas les enfants à préparer, j'ai juste fait la litière du chat avant de partir et j'ai relancé le feu. Il n'y avait plus rien à manger donc j'ai pas emmené ma gamelle. Et donc là, je suis sortie et je trouvais que je méritais d'aller chez Feuillette. J'ai vraiment faim et j'ai envie de quelque chose de bon. Donc voilà, c'est parti. Et ensuite, je vais peut-être aller faire un petit tour chez Action, j'ai le temps. Donc, Johan m'a envoyé les photos d'Élise et lui en train de manger au restaurant. Bah, c'est trop cool. Et bon, je vais voir ce que je peux manger moi aussi. Alors voilà ce que j'ai pris chez Feuillette, j'ai pris un sandwich tout simple, un niçois thon, c'était en menu, donc j'ai pris une boisson que je vais ramener à Lisette parce que je bois pas du tout ce genre de boisson, mais elle en raffole. Je me suis pris un petit crumble aux pommes, je suis allée faire un petit tour chez Action, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais je vous raconterai ça ce soir, et je me suis pris ça pour mettre dans mon tiroir au boulot. Bon, il est grosso modo 19h, je viens d'arriver à la maison, je suis allée récupérer Martin chez son copain. Il a passé une tellement bonne journée qu'il n'avait plus du tout envie de rentrer à la maison. Et voilà, donc du coup ça s'est éternisé, la pauvre maman. Elle avait 4 enfants à la maison, elle est trop gentille. Et voilà, moi je disais à Martin, on y va, mais hop, les enfants ils partaient, du coup, on a discuté entre mamans. Je suis rentrée, donc enfin on est rentré et puis les deux autres membres de la famille nous ont raconté leur journée. Ils étaient enchantés par leur repas et ils m'ont beaucoup amusée. Ils sont allés voir un dessin animé qui apparemment est merveilleux, donc Le Royaume des Abysses. Je le saurai parce que quand je le verrai passer en DVD, vu qu'il n'y a que la moitié de la famille qui aura vu ce film-là, on en profitera tous une nouvelle fois, j'achèterai le DVD. Et c'était super content. Et Johan m'a fait très très rire parce que il m'a dit « Mais tu te rends compte le prix du ticket de cinéma ?» Alors, il m'a dit 16 euros pour deux. Je lui ai dit « On payait... » il me semble le plus cher au Kinépolis de Mulhouse, donc avant qu'on déménage. Non, je trouve moi que c'est bon marché, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui vais au cinéma avec les enfants et là il se rend pas compte, mais voilà. Par contre, il n'a rien eu à redire sur l'addition du restaurant, là il est plus habitué, donc voilà. En tout cas, ils ont passé une super journée et au début, on se demandait s'ils allaient pas remettre, parce qu'ils devaient faire cette journée-là tous les trois, mais comme Martin était invité, on ne voulait pas le priver de son copain, ça change un peu. Mais Johan n'avait pas très envie de remettre sa journée, déjà parce que c'était prévu. Et puis parce qu'il fait plus d'activités avec Martin, ils vont à la déchetterie ensemble, ils vont se promener au bord de la Loire, en forêt ensemble, voilà tout ça. Et c'est vrai qu'ils partagent beaucoup moins de choses avec Élise, qui est plus citadine, on fait plus les choses comme ça, elle et moi. Donc ils étaient très contents de passer ce temps-là tous les deux, voilà. Ça leur a fait du bien, ils étaient ravis. Moi... du coup, j'en ai profité entre midi donc et deux pour aller chez Action. J'avais le temps. J'étais juste désolée parce que ils étaient en train de réorganiser tout le magasin. Du coup, c'était vide. Il y avait des choses où on pouvait pas, auxquelles on pouvait pas accéder. Et c'est surtout que les pauvres. Il y avait une ambiance qui était juste affreuse. Ils se chamaillaient parce que certains trouvaient que d'autres ne bossaient pas assez vite, d'autres bossaient pas assez bien. Voilà quoi, il y en a un qui avait porté les paquets de bonbons qui étaient ouverts en caisse pour distribuer, l'autre a dit non, dès que c'est ouvert, on s'embête pas, on jette tout. Et c'était vraiment électrique, ce sera sûrement mieux la prochaine fois. J'ai quand même trouvé des choses. Gisèle, je crois que c'est toi qui m'a conseillé le savon noir et là pour le coup ça a coulé. Tu vas pouvoir donner ça à papa, c'est pour laver les sols de chez Briochin. La bouteille, elle est énorme, donc tu as raison, ils vendent du Briochin même dans mon Action. Et puis, donc c'est le même prix, mais il me semble qu'il y en a plus, les bouteilles sont un chouille plus grosse. Je vérifierai ça demain puisque je vais chez Leclerc. Va déposer ça à papa, s'il te plaît. Il coule ? Oui, tu feras attention à tes mains. En même temps, c'est du savon, c'est pas vraiment sale, mais tu laveras tes mains. Ensuite, celle-là, vous l'avez vue passer partout, c'est les petits ramequins pour chat, voilà, pour lui donner à manger. Je crois que c'était 1,30€. J'ai pris parce que ça s'arrête, le code barre était barré.
Donc je me suis dit, bah, c'est sympa parce que nous, on lui met nos ramequins espagnols pour faire les flans, quoi, qu'on fait brûler après, les crèmes brûlées. Donc comme ça, c'est pas mal, elle aura son truc. J'ai pris des brosses à dents parce que chez nous, elles font quand même assez souvent la tronche. On a une tendance, comme beaucoup de Français, hein, j'avais vu en fait, les sondages, on change pas assez souvent nos brosses à dents. J'ai donc repris un lot. Hop. C'était dans la semaine d'action, ça coûtait vraiment rien, peine plus d'un euro. J'ai pris du film étirable comme ça, je n'en ai plus du tout et c'est vachement bien pour mettre au frigo, tout ça, tout ça. Alors que ce soit pour, là j'ai juste pris le fraîcheur parce que je m'en sers pas moi pour réchauffer, mais que ce soit pour passer au micro-ondes ou juste pour emballer, c'est vachement top, c'est 99 centimes, franchement ça bat tous les records, il y a 50 mètres quand même, donc j'étais vraiment ravie du tarif. Ensuite, j'ai pris cette pâte-là parce que j'ai vu qu'en fait, il y en avait qui s'en servaient pour nettoyer le mobilier de jardin à l'extérieur et que c'était top. Donc j'ai pris le petit pot, ça suffit, parce que pour la maison, on est habitué à nos affaires. Mais voilà ça pour le jardin. Pour mon gros schnock, si présent. Est-ce que je mange de tout? Je mange tous les bonbons à la fois. Ah ouais. Et t'as même pas mangé le bon plat de la maman? Alors que tu aimais tout? J'ai mangé des tranches du jambon. Ouais. Bon, j'ai pris un paquet comme ça pour les vacances. Pareil, dans la semaine d'action, c'était 99 centimes. J'ai pris un deuxième paquet, mais c'est pour offrir. À qui? Ah, mais tu peux pas le dire parce que la personne regarde les vidéos. Moi, je suis pas fichée. Hop, j'ai pris des sneakers parce que les Gisettes m'en demandent souvent, les tout gros, je veux vraiment pas parce que c'est gros quoi, donc c'est plein de calories, de cochonneries. Ben là, c'est la même chose, mais beaucoup plus petit. J'ai pris ça, ça me permettra de lui donner au compte-gousse pour emmener à goûter. J'ai pris de la colle parce que j'ai plein d'albums photos à faire qui sont très jolis. Les albums, enfin les photos sont déjà tirées, il reste plus qu'à les coller. Donc hop, ben voilà, parce qu'on a le stock de colle UU, mais les colles UU, ça colle pas bien. Donc j'en ai pris comme ça. Comme ça, on va pouvoir s'y coller tous les trois. Pour quoi faire? Pour faire les albums photos. Ah. Ah. Tu peux pas prendre la colle normale pour les colles? Ça marche mieux. Ah. Tiens, tu peux aller mettre ça dans la machine à laver du coup. Il y a le savon qui a coulé. Merci chérie. Ensuite, j'ai trouvé des cadres. Lisette avait fait un dessin comme ça, en cours de dessin. Je trouvais ça super joli. Donc, je lui ai pris un cadre comme ça. J'aurais préféré en bois, mais il n'y avait pas. Comme je ne vais pas retourner chez Ikea avant un moment. Voilà, ça fera l'affaire. Ouais. Je suis sûre qu'elle sera contente. Et puis, tu me ramènes l'affiche sur la table, ce qui est roulé, s'il te plaît. Ah ouais. Ouais, quand on était. Alors, quand on était voir Renaud, on avait acheté l'affiche. Les cadres carrés, c'est super compliqué à trouver. Chez Ikea, il n'y en avait pas. La dernière fois, chez Action, il n'y en avait pas. Et c'est 40 euros chez Amazon. Du coup, j'ai pas acheté. Et j'ai bien fait. Alors, il manque 2 cm. C'est pas grave. On va lui ratiboiser les côtés. Et puis, j'ai trouvé donc un cadre. Ça coûtait mais vraiment rien. Je sais pas, peut-être 6 euros. Donc, c'est pas cher 6 euros pour un cadre. Si. Comme ça, on va pouvoir le mettre. Je vais vous montrer. Hop. Nous, on... Hop, encore là. Ici. Enfin, à côté de l'armoire, il y a 2 trous dans le mur. C'est là où on avait accroché l'aspirateur qu'on avait reçu quand on était content, mais pas longtemps. Donc, on l'a démonté. Hein, il fonctionnait pas, il était tout cassé. Donc voilà, du coup il reste les trous, quand on n'a pas envie de refaire la peinture, voilà, on va mettre ça dans le cadre et le cadre sur les trous. Oui, nous on s'est rénovés, moi je vous le dis. Bon, pour ce soir, Johan a préparé la soupe. Tu veux de la soupe toi aussi? On va voir ce qu'on mange, on va aller. Et puis,
On refera peut-être un puissance 4, on en a fait un hier soir, je vous ai mis une photo. C'est Martin qui avait demandé, donc on a remis ça en place, on avait abandonné pendant quelques temps. Oh bah. Merci. Donc voilà. Et puis, ben, Johan et Elise vous ont fait des petites vidéos. Là, tu vas leur donner le mal de mer, je t'assure. Voilà, vous ont fait des petites vidéos. Je vous les mets à la suite. C'est tout pour ma journée. Je suis fatiguée, mais contente. Voilà, maintenant, j'ai 2 jours à la maison. Ça, c'est cool. On se retrouve demain pour les courses. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, à demain. Salut à tous. Bonjour. On est lundi. On a été avec Élise à la pizza à Delarté. Ouais, c'est bon. C'était bon ? Ouais. Ça allait, c'était mieux que ce qu'on a à côté, le Burger King. Ouais. Et on a déposé Martin chez son copain ce matin. Et c'est petite journée, papa-fille. Ouais. Hein ? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller au cinéma. Au ciné. Cool. Bon, on va reprendre plus tard. Bonsoir à tous. Donc, avec Élise, nous sommes rentrés de notre périple blésois. On a été voir un super film d'animation au cinéma, c'est le Royaume des Abysses, à voir, vraiment un joli film d'animation, pas pour les enfants de moins de 8 ans je dirais, mais belle découverte, c'est chinois et pas japonais, comme on pouvait s'y attendre, mais très très bonne surprise. Moins bonne surprise, le prix des tickets de cinéma, je crois que Marjorie a dû vous les mettre en dans la suite de la vidéo, 16 € pour 2. Donc c'est, en annonce, ça a pris une claque, plus un peu de pop-corn et quelques jeux avec Élise, parce que les sorties de perfis, c'est pas tous les jours. Voilà, la dose pour aujourd'hui est bien, mais bon là, on s'est rattrapé chez Marie Blachère, j'ai acheté 8 baguettes. Et oui. 6 achetées, 2 offertes, et elles sont déjà au congélateur pour la plupart. La soupe est déjà prête. On n'a plus qu'à attendre que Marjorie et Martin rentrent. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Salut !